Eh bien salut tout le monde, c'est Full Game 7, j'espère que vous allez bien, surtout pour notre épisode 18 je crois, ou 17 je crois, je m'y perds un peu avec les chiffres, je vais pas vous mentir. Bref, de FF15 comme rat sur PC, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va très bien. Dans l'épisode précédent, on avait un peu fait quelques quêtes, on avait choisi de nouveaux leaders, on avait affronté Gilgamesh aussi pour un combat. Alors, donc comme on avait galéré un peu en off, voilà, donc de mon côté ce que j'ai fait c'est que j'ai avancé dans les quêtes. J'ai enfin, en off bien sûr, j'ai enfin pu finir cette quête, la défense de la sorcière. Le laboratoire de la sorcière, ah, c'était chaud, franchement c'était chaud. Je rappelle, donc j'ai XP, donc je suis niveau 34, je crois que j'ai monté de 2 niveaux, je crois, comparé à l'épisode précédent. Ce qui est quand même un petit gap. Et j'ai entre temps, comme j'avais acquis des points d'électrique, d'électricité tout simplement, suite aux quêtes que je refaisais, je me suis permis de déverrouiller cette zone. Voilà, donc rappelez-vous toute cette zone. Ici on ne pouvait pas encore y avoir accès, il fallait les payer, on avait juste déverrouillé celle-ci. Donc j'ai fait celle-ci, alors ça m'a juste en gros donné des croquis, de l'argent, des météores, des fragments de météores et tout ça. Mais ça m'a également déverrouillé ça. Donc l'art martiaux, donc je peux pas y encore y accéder bien sûr. Et je me suis permis, je crois que j'avais payé, il me semble, quelques petits réseaux électriques, voilà, histoire de compléter. Donc il nous manque juste à payer celle-ci. Mais avant toute chose, je crois qu'il y a il n'y a pas le coffret. Non d'accord, je pensais qu'il y avait un petit coffre à l'entrée tout à l'heure, ok. Donc voilà, donc niveau équipement, je suis plutôt bien en soi, je me suis équipé de deux boucliers. Alors pour la quête de laboratoire de la sorcière, je vous assure que j'en ai chié. Hein. J'ai spammé la magie de glace et tout. Alors on va faire la preuve de dispense. Alors donc c'est quoi? Donc c'est un 55, il est sensible au feu. D'accord, donc lui c'est surtout le feu et le sacré, très bien. Alors on va s'équiper à fond, on va la faire hein, cette quête. Donc voilà, donc pour l'instant ça se passe plutôt bien. Alors on va prendre alors Edo foudre, non. Extra soin, non, on a déjà un soin. L'arbalète, je sais pas si ça marchait bien contre lui. Ça paralyse un peu quand même. On va prendre les shurikens de feu. Je sais que c'est pas les plus fortes, hein, j'en suis conscient, mais bon. Si au moins on peut l'obtenir, ça sera toujours ça. Et d'autres feux, voilà. Et ils avaient dit la lance, je crois. Ils avaient dit la lance, je crois. Moi, je regarde niveau équipement, surtout. Là, on fait gros dégâts. Là, le Edo sacré, ça va nous... Je crois que le Edo lumière, on va l'avoir pendant lumière, pendant longtemps. Le bouclier trompe la mort est très pratique. Au moins, ça nous protège des immunités. Puis on a de bons stats, hein, quand même. Hein. Bon, allez, on est parti. On va aller faire cette quête dispenseur de la mort. Qu'est-ce qu'il donne? Tenue de wedge, d'accord, mais ça c'est quand on fait une lésion. Donc il est sensible au shuriken, on est d'accord. Ah non, le katana, ah bon, ça dit c'est un... Bon, on va tester. On va tester tout de même, on est là pour tester. Donc voilà, donc on va faire cette quête. Alors je sais qu'il y a encore la défense d'un laboratoire là, en quête de défense. J'ai aussi voulu tenter de faire en off la quête de l'escorte de Cindy, vous savez, avec les gros sacs à PV là. Clairement c'est faisable, on va dire. Mais quand je suis arrivé à la fin, la dernière partie en fait de cette escorte, il y avait des cœurs là, c'était le gros monstre de cette quête. Le cœur, c'est simple, je l'ai pris en avance, je l'ai attaqué, lui, il s'en est complètement battu les couilles de moi, il a tracé sa route vers le camion, il l'a défoncé. Donc, autant vous dire que j'étais très ravi, pour vous dire encore que c'est pas encore pour maintenant, mais ça se fait. C'est, disons que là où on avait foiré dans l'épisode précédent, j'ai réussi à le passer, ça a été un peu délicat, mais ça allait. Mais bon, c'est pas encore pour maintenant pour l'instant. Donc on a à peu près deux quêtes en suspens, on va dire. Donc là, si on finit celle-ci, que tout se passe bien, on va déverrouiller donc la zone électrique supplémentaire qu'on avait vu, voilà, qui nous reste à faire. Et en plus, j'ai vu qu'elle nous donnait deux quêtes, donc une importante et une classique. Donc, autant vous dire qu'on a encore quelques trucs à faire. Alors, vas-y, prends-moi un ingrédient, s'il te plaît, là. Voilà, bien. Alors, est-ce qu'on a que des niveaux 34-35? Ok, très bien. Bon, bah, on est parti. Bon.
espérons que tout se passe bien, c'est un gros monstre en lui-même. Quête spéciale, l'épreuve du dispensateur de mort. Vaincre un mentaliste dans le temps imparti. Ah d'accord, il y a un timer en plus. Ok, s'il y a un timer, ça va pas le faire. Ok. Waouh, la musique elle est particulière. Hein. Ok, je ne vois rien du tout à ce que je fais. C'est quoi cette musique? On est dans une boîte de. On est dans une boîte de nuit. Alors pourquoi je fais une parade pourtant? Ça veut pas. Ah merci. Ah, y a un souci là, j'aimerais bien le toucher en fait surtout. Bon, niveau vie, on lui a quand même fait des dégâts, mais je suis étonné. C'est particulier. C'est particulier, on a un timer en plus. Je crois qu'on va surtout user du shuriken, écoutez. Hein. Oula, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah, il m'a stoppé, ok. Il m'a stoppé, littéralement. Wow. C'est particulier, son... Ah, je suis pas fan de ce genre de musique, hein, je vais pas vous mentir. Ah putain, si j'avais su, j'aurais pris un contre-poison. Et je pouvais pas le deviner. Ça fait bizarre comparer d'avoir ça en FF, en musique de FF. Bon, ça va, il a l'air d'être simple à faire. Il est très facile à parer quand même. Bon, j'ai pas la meilleure arme, j'en suis conscient. On fait des dégâts, c'est tout ce qui importe. Bon, ça a l'air d'être faisable. Bon, je pensais au moins pouvoir l'attaquer avec le shuriken, avec le katana. Je suis désolé. Mais je pense qu'il aurait mieux fallu que j'ai le... Comment dire, que j'ai un pas tactique, tout simplement, le soi aérien. Bon, la magie feu marche. Bon, ça va, j'avais pire niveau... Ok, bah franchement, simple. Je suis très étonné du résultat. Je m'attendais à vraiment un boss horrible. Bon, bah écoutez, on va dire que c'est une bonne chose de fait. Je sais pas, ça mettait une quête de niveau 40 quand même, le truc. Ouais, c'est un peu mensonger. En plus, le monstre était niveau 55, il était même pas niveau 40. Bon, enfin, c'est fait. J'ai beaucoup affronté aussi de mon côté Gilgamesh pour au moins essayer de l'avoir, d'avoir ses dagues, mais j'ai pas réussi du tout à l'affronter, à avoir ses dagues, parce qu'il faut faire une liaison. Alors pourtant, j'avais changé mon équipement pour certains, j'avais pris volontairement des armes qui faisaient moins de dégâts pour lui faire le maximum de dégâts pour possiblement faire une liaison, mais voilà, j'ai pas réussi. Tenez. Donc voilà. J'ai voulu me tenter Gilgamesh au niveau 81. Et bah figurez-vous que j'étais pas loin. Le pattern n'est pas compliqué en soi. Ah, il fait de gros dégâts, mais ça c'est clair et net. Le pattern n'est pas compliqué en soi. En fait, ce qui est compliqué, c'est quand il est en deuxième phase. En deuxième phase, il défonce tout. Et en plus de ça, bon, on fait très peu de dégâts, certes, mais bon. Disons que j'ai réussi à dépasser les... J'ai réussi à aller au-delà de sa midlife, donc j'étais plutôt content. Même si j'ai foiré, je m'en fous, j'étais content. Alors, on va récupérer ça. Un peu de score. Ok, j'ai vu qu'on était bientôt au niveau 35, c'est parfait. Ok, bon, allez, on est parti. Alors, on va voir vite fait les photos, si on a ce qu'il faut. Nouvelle quête disponible, très bien. Vous voulez voir vos photos? Pas de problème. Alors... Gardez celles que vous voulez. C'est vos photos après tout. Ouais, elles sont pas ouf, hein. Attends, on va voir le robot. Peut-être qu'il y a une nouvelle quête. Non, c'est juste tu la refais, quoi. Et puis c'est tout. Ok, niveau 73. Ok. Bien. Bon, alors, on va aller de suite... attendez, je vais regarder vite fait les quêtes qu'on a. J'ai envie de m'y remettre, moi aussi. Donc ça, c'est encore juste, mais à voir. Ça, c'est fait. Donc il nous reste le magasin hanté. Que je vais pas vous mentir, je me sens pas de le faire maintenant. À mon avis, je suis pas assez au bon niveau.
Ça peut se faire, je pense. Si j'ai réussi bien mon coup comme j'avais fait la dernière fois, à bientôt. Ça peut se tenter. Mais bon, on va déverrouiller la nouvelle zone. Hop, on a assez. Hop. Voilà, en plus on a une arme royale à la fin, c'est parfait. Chasse de Bredoloc, rancœur débordante, chasse le roi de la forêt. Parfait. Parfait, bah ça va, on a des choses. Et en plus on arrive bientôt à notre objectif. Alors je suis étonné qu'on puisse pas avoir accès à l'arme fantôme, c'est peut-être pour plus tard. Bien, bon bah écoutez, on est parti, on va aller faire cette quête importante. C'est la liste. Alors, c'est quoi? C'est ce gros truc, c'est niveau 40. Donc 45, 34, ok, il n'y a que deux monstres. Donc lance de glace, bouclier de glace et le sacré. Bon, on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. Pour la glace, je pense... Ah, mais il y avait ça aussi. Voilà. Ah, c'est un... C'est un tombéry, merci. 55, oula, les tombéries. Alors ça, c'est... ouais, c'est horrible. Alors eux, il faut se protéger contre la mort. Ça, c'est mort instant obligatoire. Ok, le chef tombéry est sensible aux grosses armes et à l'épée sacrée, donc c'est parfait. Quand je dis épée sacrée, c'est l'épée lumière. Ouais, il y a moyen. Il y a moyen que ça soit faisable. Il y a moyen que ça soit faisable. Bon, on va se faire la grosse quête de chasse. Alors, donc toi, c'était sensible à... Ok, bon. Allez, à bientôt. On va s'équiper de la lance, de l'hallebarde plutôt. Alors, je pourrais prendre... Faut que j'ai un truc de glace. Faut que j'ai un truc de glace dans l'eau, c'est obligé. Sinon, je prends les dagues. Sinon, je prends les dagues. Ah, ça baisse beaucoup quand même mon attaque, hein, si je prends les dagues. Sinon, ça serait le bouclier de glace. Ou les shurikens de glace, comme il dit. Ah, mais ça baisse beaucoup trop. Je suis dans le doute là. On peut prendre ça au pire. On fait moins de dégâts certes, mais on peut se faire. Guérisseur extra soin, mur de défense extra foudre, anti-stop. J'ai envie de prendre l'hallebarde et non. Ah, j'ai un doute là. Je suis dans le doute. On va tenter les dagues au pire. Vous savez quoi? On va tenter les dagues. Ça marchait plutôt bien les dagues, je me souviens. Ça fait de l'édo foudre. Pas sensible à la foudre, c'est plutôt la glace. Ah putain, je suis permis. Je suis paumé. Sinon, je prends le bouclier. Le bouclier de glace. Ça nous fera de la magie. Allez, on tête, on tend, on teste. Oh, j'arrive plus à parler. Alors, lequel vous intéresse? Alors, en plus, ils sont souvent sensibles à la glace, donc on... Allez, à bientôt. Allez. Tenez, c'est la liste. On essaye. Ça va être, à mon avis, un gros combat. Mais bon, si ça nous permet de bien XP derrière, ça peut être tout aussi avantageux. En plus, on a 4000 en PV, c'est vraiment pas mal. Ça, c'est les boucliers qui donnent beaucoup de PV. Hein. Ça, j'ai constaté, les boucliers donnent énormément de PV et de force. Et de défense, surtout, et de sacré. Il y a beaucoup de sacré, j'ai vu. Donc c'est pas plus mal, j'ai vu quand même qu'on rencontrerait de nouveau beaucoup d'ennemis quand même sensibles à la pouvoir sacré, donc c'est plutôt bon signe. Ok, ah d'accord, c'est un gros truc, ok, je pensais que c'était plus petit moi. Ok, bon, finalement ça va être un peu plus compliqué que prévu. Donc il est tout seul ou pas? Alors on va prendre le... Ok, on se souvient... Qui est sensible à la glace. Oh ouais. Ok, donc c'est un gros boss. Bon, il est sensible à la glace, l'avantage. Donc on peut se permettre. Et au bouclier, je crois, il me semble. Non, bouclier, non. Épée. Épée. Épée marche bien. Alors, je rappelle qu'il est tout seul, mais il peut ramener... Il va ramener... Alors, est-ce que la lance... La hache... La hache fait des dégâts, mais c'est pas ce qui fait le plus. Je pense qu'on va être contraint d'avancer dans la... Je pense qu'on va se faire ça à la hache, écoutez. Hein. Bon, de temps en temps, on va faire le bouclier quand même, parce que ça a l'air d'être très pratique. La glace marche bien, je suis content. Franchement, l'extra glace, j'ai bien fait les améliorer.
Si on arrive à lui faire une bonne liaison, ça serait sympa. Bon, ça va niveau vie, ça va, il prend sa part quand même. Alors, est-ce que c'est que lui le boss ou si c'est il y en a d'autres? Vous avez bien dit qu'il y en avait deux des ennemis. Hein. Alors, attendez, tant qu'on y est... J'adore les combats quand ça se déroule devant un temple. Je trouve que c'est plus stylé en termes de combat. Ok. Hop. En plus, si on charge, ça fait masse de dégâts. On a fini, genre parfait. Bon, bah voilà, on s'en sort. Franchement, on s'en sort. Hein. C'est sympa. On fait des dégâts. Moi, tout ce que j'attends, c'est qu'il fasse une belle attaque. Comme ça, nous, on part. Bon, il fait un peu de dégâts, mais bon, ça va. Hop, voilà. Allez. Ah, ok. Ils sont 10 cette fois-ci, ils sont plus 1. Ok, j'ai fait une liaison, on a la corne diabolique, c'est parfait. Ok. Ok, bon, on va s'occuper d'eux parce qu'ils m'ont l'air assez chiants. Allez, on s'occupe de lui. Bon, les petits sont chiants, hein, sont vraiment chiants. On va s'en occuper le plus vite possible. Bon, ça va, c'est pas une quête trop dangereuse. Hein. J'avais peur que ça soit une quête vraiment galère. En fait, je pense qu'elle est galère si t'es pas bien préparé, je pense. C'est surtout ça, je pense. Mais bon, je trouve qu'on a, comme je le répète, on a vu pire, hein, les grosses tentacules vertes là qui font que du poison et de l'altération d'état chiant là, qui sont des gros sacs à pavés, c'est les pires, je trouve. Et encore le zootonnerre, maintenant que j'ai réussi à le battre en off, je vous assure que quand je l'affronte, c'est du gâteau. Hein. Parce qu'en fait, une fois que t'as compris comment il fonctionne, bah c'est bon quoi, tu l'as battu en fait. Alors ça serait bien que t'attaques s'il te plaît, mais lui... Ah super, bah ça faisait longtemps. Oh putain, mais il a pas voulu attaquer le perso en fait, le monstre, il a pas voulu l'attaquer. Pas compliqué. Allez, attaque. Il bouge trop. Voilà. Putain, c'est pas vrai. Hop, voilà. Voilà. Enfin. Allez, bouffe. On va au moins essayer d'avoir une nouvelle une grâce royale. Ça serait sympa. Parce que je vous rappelle que les quêtes importantes déverrouillent de nouvelles zones. Hein. Et merci. Ok, j'ai vu qu'il y avait une viande de qualité à côté. On va aller la prendre. La vache. Compliqué quand il s'y met. Hein. Bon, ça va. En soi, la quête n'était pas si difficile. C'était un peu le bordel, mais c'était pas si difficile. Bien. Bon, bah voilà, une bonne chose de faite. Ah, je suis content de notre équipement. Franchement, on a bien progressé. C'est fou, on est déjà niveau 34 quand même. Bon, comme quoi, le off marche bien. Hein, le... De toute manière, je faisais pareil quand c'était les... Quand c'était notre let's play de base sur FF15, hein, je faisais les quêtes de chasse en off pour XP. Hein. Et quand il y avait une quête de boss, une quête de chasse boss, je voulais la garder. Heureusement que vous êtes là. Ok. Voilà. Attaque plus 30, ok, bon. C'est basique. Allez, donne-moi de l'XP. Ça me fait plaisir. Voilà. 32 000, bon, je pense qu'on a accès quand même à de nouvelles zones, là. Ok. Alors, on va vite fait checker les photos. On sait jamais, il peut y avoir un truc intéressant. Une photo, du moins, intéressante. Non, ça s'est enregistré. Vous voulez voir vos photos? Pas de problème, y a qu'à demander. Ok, ok. Ah, pas mal, ceci. Eh, pas mal, ceci. Franchement, ouais, c'était pas mal celle-ci. On va peut-être la garder celle-ci. Alors, dis-moi ce que je dois. Alors attendez, on avait une autre quête aussi, je crois. Continuez comme ça. On compte sur vous. Le hanté, ça c'est pour plus tard. Chasse de la forêt, c'est. Oula. Ouf. 53. Ah oui, quand même. C'est du gros. C'est du gros. Tombéry. Ouais. Allez, à bientôt.
Alors attends. Qu'est-ce que tu veux ? On va déverrouiller la suite, comme ça, ça nous évitera d'attendre. Ok, alors c'est quoi ? C'est Aura. Alors, on va déverrouiller. Ah, la nuit perd du terrain. Très bien, tombeau du conquérant. Aura. Bien, c'est bien ça, on augmente bien les grâces royales, c'est bien ça. Aura, alors on va vérifier cela. A plus. Ok. Équipement. Alors c'est toi. Alors change le sort de soin en un sort qui crée une aura augmentant grandement l'attaque. Non, je vais pas vous mentir, j'ai pas envie de prendre le risque. Je suis très bien avec ma grande barrière, franchement, ça augmente ma défense, il y a tout ce qu'il faut. Non, je vais rester sur ça. C'est intéressant, mais c'est clairement pas mon style. Si ça augmente, s'il n'y a pas quelque chose derrière qui me tient, qui m'aide, c'est... Non, je vais pas prendre de risque. Alors, on va faire la quête. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On a la quête de chasse. J'ai peur qu'elle soit trop longue, la quête de chasse. Hein. Elle donne pas mal, mais j'ai peur qu'elle soit trop longue. Au pire, on fait le défense à un laboratoire très convoité. Ils sont sensibles à la masse, au bouclier de glace, au bouclier, à la glace en général. Donc ça, c'est bon. On a de l'extra glace et tout ça. Et le feu. Allez, au pire, le feu, mais bon. Et après, il y a un pudding. On va tenter. On tente. Je suis moyen face à cette quête parce que déjà que l'autre, j'ai bien galéré. Même si je l'ai réussi, j'avais quand même bien galéré. J'ai peur de retomber sur le même piège. Puis si c'est trop compliqué, au pire, de toute manière, hein, on complétera, on testera. J'ai bien, on testera le Tombéry. Le Tombéry peut être sympa. En soi, il n'est pas compliqué. Le Tombéry, ça va. L'avantage du Tombéry, c'est qu'il est très lent. Il fait surtout un one-shot monstre quand tu te le bouffes. Mais comme on a un bouclier anti-mort subite, je crois, ça peut nous être utile. Puis je crois qu'en plus, la lance nous permet, je crois, de one-shot. Enfin, elle a une compétence permettant de faire un coup mortel. Donc, à voir. Ok, c'est le même endroit en plus. Parfait. Ok, là, ça va être chaud. Ok, on attaque, on perd pas de temps. Ok, oula, ils m'ont l'air beaucoup plus chaud, je sais pas si c'est moi. Ok, on les a eus, mais c'était délicat. Allez. Ok, ça m'a l'air d'être le même type de quête que la dernière fois, mais en un peu plus veneur. Ok, bouclier marche très bien contre toi. Ouais, ça va être chaud. Ça va être très très chaud. En plus, ils sont au niveau 45. Ouais, je crains pour ce qui va suivre. La glace, t'es sensible. Ok, bouclier c'est... Non, ok, je pense qu'on a paumé la quête, on a perdu la quête. Je suis clairement pas au bon niveau. J'ai les armes qu'il faut, mais j'ai pas le niveau requis encore. Ils sont vraiment trop... Ils sont encore trop résistants, les gars. Même la hache, je suis désolé, ça... Ça fait pas assez de dégâts. Bon, c'est pas grave, on aura testé. On va aller jusqu'au bout quand même. En fait, ce qui est difficile dans ce genre de quête de défense, c'est vraiment de tenir éloigné le plus possible l'adversaire pour éviter qu'il aille au plus proche de la zone. Moi, je me souviens, c'est ce que j'avais réussi à faire face au Pwning, mais c'était très galère. Alors je sais pas, en plus je crois que la magie me semble leur paralyse un peu, je crois. Ok.
Ok, là, ça va être une autre paire de manches. Je rappelle... Oh putain, ils sont 4. Non, vous êtes sérieux? Vous êtes 4. Ok, bon, on a perdu. Mais ça, je m'en doutais. Oh ouais, non, mais là, c'est bon, là. Ok, là, c'est bon, c'est mort. C'est mort. Bon, on aura tenté. Je pense que cette quête, ouais, bah je vais encore la faire en off, hein, de mon côté. Ouais, là, c'est chaud. Ah ouais, c'est vraiment chaud, hein. Bon, de toute manière, je m'y attendais, hein. Avant même que je lance la quête, je m'attendais à ce genre de cas. Ouais, écoutez, ça sera une quête que je vais faire en off, hein, littéralement, parce que là, j'ai clairement pas le niveau requis et j'ai pas les armes requis encore. Bon, bah écoutez, c'est ainsi, hein, puis basta. Bon, on va au moins tenter le tomberry. La grosse quête de chasse. Par contre, ça, j'y... Je crois que je vais encore devoir faire du off. Je fais beaucoup de off ces temps-ci, je suis désolé. Mais bon, j'ai pas vraiment le choix dans certains cadres. Alors, ça me donne envie de m'y remettre, moi aussi. Il y a la maison hantée, mais bon, c'est une défense aussi, quoi. C'est encore plus chiant, quoi. Alors, le Tombéry. Niveau 55. Donc, le Tombéry senior, le chef, ou du moins. Sensible au katana, à la masse, à la glace, le sacré. Donc, c'est parfait. Donc, c'est l'épée sacrée qu'il faut. Le shuriken, les dagues de glace. Ah non, les dagues, non, ça fait... Bon, j'ai la magie glace, vous me direz. Il y a des cryos. Il y a des grenades, très bien. Donc, le shuriken de glace va nous être utile. On va l'utiliser. Ok, donc... si je récupère le katana, shuriken... Dague... Non, pas dague. Katana, shuriken, bouclier. Ouais. Allez, à bientôt. Ok, bon, on est parti. Alors, katana, on garde. Shuriken. Alors, est-ce que parmi les dagues, j'ai de l'extra glace? Oui, j'ai de l'extra glace. Parfait. Mais bon, l'avantage des shuriken, c'est que je peux attaquer à distance. S'il y a des grenades, voilà, quoi, ça va pas être fou. Je vais voir si je peux essayer de me trouver de nouveaux shurikens plus puissantes quand même et de m'équiper de... Ah mais je crois pas que j'ai de l'Edo glace avec moi. Ils avaient dit, je crois, il me semble... Alors le trompe la mort, ça on va le garder. Protège parfois de la plupart des altérations, protège de l'altération d'état mort subite. Voilà, ça c'est... Tenez. Bon, on va faire avec. On va tenter le tomberry. Je suis pas sûr qu'on va la réussir. C'est un bon choix. Voilà, on est là pour tester, on est là pour découvrir. De toute manière, si je vois que c'est vraiment trop délicat, bah écoutez, je vais faire du off, hein, comme d'habitude. Je vais XP de tous les côtés, puis on verra, quoi. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on a vachement bien avancé, je trouve, les zones à déverrouiller. Si j'XP bien, on finit ces quêtes, on déverrouille la toute dernière zone de la belle de Galdina, et possiblement, je pense qu'on aura bien évidemment, à mon avis, d'autres zones à déverrouiller. Mais bon, au moins, on aura passé un cap en termes de scénario. Ah, on a un niveau 45 avec nous. Oh, Kenny Crow, alors lui, c'est quand tu l'as dans l'équipe, c'est le meilleur. Je crois que c'est lui qui m'avait aidé en plus pour... C'est un PNJ, hein. Mais il m'avait bien aidé pour le... Oh, ah, on est là-bas. Ah. D'accord. Quand un ennemi s'enfuit. Alors... Ok, on bombarde. Alors je vois qu'il y a les bombes. Ah putain, il y en a qui sont partis. Ok, ils sont niveau 11, donc ça va. J'ai vu qu'il y avait un poisson, je crois. Ok, donc il faut limiter le nombre de personnes. Ok, bon. Ah, ça va être les cryos les plus chiants. Ok, bon, l'avantage c'est qu'un assaut Eclipse bien placé marche. Je crois que je vais m'occuper tous des cryos à mon avis. Je vais faire que ça, je pense. Ah,
Ok, les tomberies ça va. En fait, il faut en buter 7 si je comprends bien. Ouais, c'est ça, faut en buter 7. Ok, en fait, les cryos sont juste là pour nous emmerder en fait. Ok, les cryos, j'ai l'impression. Les bombes là. Alors, les cryos, j'ai l'habitude de dire cryos. Mais les bombos, ils sont. J'ai l'impression qu'ils sont juste là pour nous emmerder. Hein. Ils sont pas trop là pour nous chercher les noises. Parce que c'est plutôt les tombéries que j'ai l'impression qu'il faut éviter qu'ils sortent. Voilà, ok. Parfait pour la magie. Ok, on va prendre le katana. Bon, ça va, les tombéries, ça va, mais à voir pour le gros. Ah, là, ils sont plusieurs là. Wow, il y a le gros bordel, il y a le gros bordel. On est d'accord, il y a deux tombéries ou il y en a trois là, je vois. Il y en a trois. Ah, ok, j'ai paré à temps. Ok, faut les parer à temps en fait, les tombéries, pour en faire masse de dégâts. Alors, merci la caméra, c'est un bonheur. Ok, vas-y, attaque. Voilà, ok. Donc quand ils se mettent à attaquer, faut parer. Voilà, ok, faut parer à temps. Wow, attends, il y a plein de tombes. Comment ça se fait que la vie de la zone a baissé là? Ok, les cryos ont. Ok, les bombos ont dû. ont dû faire travail. Waouh, c'est chaud. Ok, c'est. Ouais, c'est chaud. Ouais, j'ai peur que l'épisode soit trop long après, c'est ça le pire. Ah, j'ai envie de la retenter. Elle m'a pas l'air compliquée, mais voilà quoi, c'est chaud quoi. Mais le problème c'est que c'est les katanas qui marchent le mieux en fait sur les trucs. En fait, j'étais bien équipé, je pense, mais sinon faut que je m'équipe du. Sinon, il faut que je m'équipe peut-être du bouclier de glace. Si je. Ouais, l'avantage c'est que ça nous soigne tous. Continuez comme ça. Non, attends. Allez, à bientôt. Reviens. Hop. Trompe la mort. Donc, bouclier de glace. Ça fait des dégâts de glace directement. Ouais. Bon, on va faire avec. On va la retenter. On va la retenter. Ça va être. C'est délicat, mais c'est pas infaisable en fait. C'est surtout les cryos qui font chier le monde en fait. En fait, faudrait qu'il y en a un de nous quatre qui s'en occupe. Problème, c'est que je pense que ça va être moi qui va le faire, bien évidemment. Mais voilà, c'est compliqué parce qu'à la fois je fais beaucoup de dégâts et à la fois faut que je m'occupe de. Donc c'est moi qui dois tout faire. Bon, c'est sûr que si ça avait été avec des vrais gens, la donne aurait été différente, bien sûr. La donne aurait été très différente. Et puis. Parce qu'au moins, on se serait départagé les rôles, quoi. Ah, c'est con. En plus, on avait un niveau 10 avec nous. Bon, à tester. À tester. C'est pas infaisable. On la refait une dernière fois. Si vraiment on la foire, bah écoutez, j'aurai des choses à faire en off, mine de rien. Alors, on va s'équiper de la des shuriken en priorité. Ok, les gars s'occupent. Hop, casse-toi. Ok. Ils ont jusqu'à la fin de la zone pour venir. Ok, toi, je m'en occupe. Ah, c'est vrai qu'ils attaquent. J'ai plus bouclé, t'es sensible. Non, t'es pas sensible. Il y a un cryo bon qui est passé. Il y en a un qui est parti. Ah ouais, ça fait baisser masse en plus.
Ah, on prend pas. Attends, si on le tue, voilà, on a des aiguilles. Attends, il a été détruit? Ouais, il a été détruit. Ok, moi je vais attaquer à distance, vous savez quoi? Ok. Ah, mais ils apparaissent derrière aussi, les bombos là. Ok, est-ce qu'il y en a d'autres qui arrivent? Il y a vous qui arrivez. Ok. Ok. Ok, allez, on attaque un petit peu. Tant qu'on peut faire des dégâts, on peut le faire. Ok. Casse-toi. Voilà, bon, l'avantage c'est que ça va, on les one shot, mais bon, ça bouffe du temps quoi. En plus, il y en a beaucoup là. Je me demande si j'aurais pas dû améliorer une. Je crois pas que j'ai deux et d'autres glaces en plus. Ah putain, il y en a une qui est passée, je crois. Je crois qu'il y a un bombo qui est passé. Si je crois que si j'avais pu améliorer une arme de distance, l'arbalète en glace, ça aurait été tellement parfait. Comment ça ne laissait pas s'enfuir? Bah oui, mais merci, mais. Ok, je surveille le côté, hein, on sait jamais. Ok, parfait, c'est bien. Ok, on s'en occupe. Ok, on en a fait 4. Ok, voyons voir s'il y a des bonbons encore dans le coin. Ok, il y en a des nouveaux là-bas, je crois. Non. J'ai l'impression qu'on a eu tous les bonbons, mais j'ai un doute, j'ai des doutes. Ok, je vais en arrière juste pour checker. Visiblement, ça a l'air d'être bon. À surveiller. Alors attends, on va s'occuper de lui parce que lui il est tout seul. Comme on est tous sur lui, ça peut être l'avantage de le défoncer rapidement. Ok, les bombos, ça a l'air d'être fait. Normalement, hein. Je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, bien sûr, mais je mets surtout la caméra en arrière vraiment pour éviter que si j'en vois un au loin on puisse le buter facilement. Ok, ça a l'air d'être le dernier. Là, le gusto il prend sa part, hein. Wow. Ok. Ok, voilà, attends, ils sont plusieurs en plus. What? Ok. Ok, la masse marche bien. Oh la vache, c'est chaud. La mâche, c'est chaud. Ils font de gros dégâts. Alors, je sais plus, le bouclier, ça marche. Je sais plus là. Non, le bouclier, ça va. C'est classé, ça fait pas plus. Oh, pas mal ça. Ok. Ouhouhou, ça va, on s'en sort mieux. Ça fait plaisir au moins de mieux s'en sortir. Allez, protège. Ok, on en a eu qu'un seul, je crois.
Bon, ce qui est bien, c'est que les trois sont déterminés. Hop, on se protège. Putain, c'est Yodal, quoi, le petit, sérieux, quoi. Putain, il déterre, hein. Ah, non, vise de l'autre côté, s'il te plaît. Ok, on lui a fini ce jeu, parfait. Et si je te bute, franchement, ça sera le bonheur niveau XP. On va se faire plaisir. Ok, on lui fait des dégâts, c'est bien. Bon, bah voilà, c'est fait. Bon, ah, je sais pas, il veut plus attaquer. Il s'est su. Ah, enfin il attaque. Voilà. Allez, attaque. Merci. Ok, c'est fait. Bah voilà, je me doutais qu'on pouvait la réussir, cette quête. Bon, délicat mais faisable, franchement propre. Alors, est-ce qu'il y avait des trucs, tiens, cachés rapidement là? Non. Bon, niveau bouffe, hein, on n'a pas eu grand chose, hein, j'en suis navré. Alors, je me souviens de ce temple à lui. C'est le temple des enfers, ça. Ouh, j'ai bien fait de l'apprendre, ça. Ce temple qui avait duré, je crois, facile 1h20 d'épisode, je crois. Je crois que c'était la tour de Kostelmark, je crois. Cette tour des enfers où tu as trois chemins différents, avec trois labyrinthes différents, et à chaque case que tu déplaçais, t'avais un ennemi. Oh, Libertus, oh, ça faisait longtemps. À moi de jouer. Allez, fais péter l'XP. Bon, au moins, c'est bien, on a terminé sur une note positive. On... 800! Ah oui, quand même! Ah, quand même! 800 plus 500 plus 50! Oh, c'est génial, ça! C'est plutôt bon, non? 6000! Ah, ça va, on a bien fait de la faire. C'est bien, on XP bien, franchement. Couteau du boucher, d'accord, donc on a une nouvelle arme. Parfait, bah, je vais l'améliorer. Hein. Sort offensif de feu. Ah, ça fait plaisir. Putain, 800 PV, c'est pas négligeable, ça, franchement. Bon, bah, les dagues que j'ai eues, franchement, qu'on a reçues, là, les couteaux de boucher, je vais les équiper de suite. Ça me permet en plus d'avoir de nouvelles armes avec un meilleur level. Bien, bah, franchement, je suis content. Alors, on va voir vite fait les photos. Et après, on va se laisser là. Bon, en off, j'ai encore des choses à faire. Je vous assure, les gens n'arrêtent pas d'en parler. Vous voulez voir vos photos? Alors, qu'est-ce que j'ai? Gardez celles que vous voulez. Ouais, on voit pas beaucoup le Tombéry, c'est dommage. Elle est pas mal celle-ci, ouais. Oula, je sais pas ce qui s'est passé, mais pourquoi pas. Voilà, on va prendre celle-ci. Bien, bon, bah écoutez, c'est parfait, dites-moi. Bon, bah, on va s'arrêter là pour cet épisode. Alors, attendez que je regarde vite fait les quêtes qu'on a encore. Bon, ce que je vais faire, c'est qu'en off, je vais encore XP, hein, bien évidemment. Je vais un peu XP. Pour le roi de la forêt, je vais voir. Je vais encore un peu XP. J'ai peur pour le 53, en fait, que ce soit trop juste à faire. Parce que c'est quand même un gros behemoth. C'est le behemoth 3 en plus. Donc, je vais faire avec. Est-ce que je peux au moins déverrouiller le reste? Non, je peux pas plus. Ok, je peux pas plus. Bon, de toute manière, il faut qu'on aille ici dans tous les cas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais XP à fond. En off. Je vais XP récupérer plein d'électricité. Prochain épisode, on fera quelques quêtes. Bien sûr, on fera les quêtes convenues. Qu'on pourra, bien sûr. Hein, ça sera en fonction de moi en off. On va déverrouiller cette zone et on aura atteint notre quatrième objectif, la baie de Galdina. Donc, bien sûr, qui dit baie de Galdina, qui dit possiblement de nouvelles quêtes, de nouvelles armes, de nouvelles tenues, de nouveaux atouts, de nouveaux objets, voilà, pour tout ça. Quand même, hein, en même pas 17 épisodes, on a fait tout ça, c'était long, mine de rien. Donc voilà, donc on va s'arrêter là, donc n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, la vidéo, ça me fera très plaisir, et moi je vous dis à la prochaine, allez, à plus tout le monde.